Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Miss Lulu Miguel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc c'est un petit tuto, ça fait longtemps que je m'en ai pas fait. Mais en fait, je vous explique que j'ai un petit problème, je me suis fait une entorse au doigt. Alors ma main est actuellement comme ceci. Voilà, donc ça fait que j'arrive pas très bien à bouger. Donc pour ça, je fais un petit tuto, pas de Westland ni de Outlast, pour pas, parce que je peux pas bouger le doigt et j'ai pas envie de gâcher la série juste pour ça, donc voilà. Donc je fais un petit tuto comme ça, vite fait. Donc ce petit tuto, c'est pour faire une salle d'échange, par exemple dans les serveurs, c'est très pratique. Donc, ce que vous avez à faire d'abord, on va mettre des trucs comme ça, là, des crochets. On en met partout. Alors déjà, vous créez une petite salle comme ça et on peut pas sauter, faut pas qu'on puisse sauter. Hop. Alors, vous foutez pas de moi si des fois je fais des trucs complètement what the fuck, mais j'arrive vraiment pas à bouger mon doigt. Ça fait que je suis obligée d'aller sur le clic droit puis d'aller sur le clic gauche avec le même doigt. C'est très galère. Hop, vous mettez des fils qui relient les deux. Et en fait, tout va être relié comme ceci. Hop. Oups, tu m'as fait l'intro. Où il est là. Hop. Et hop, voilà. Ensuite, on va les mettre, on va les casser ici. Ah, comme ça. Je crois que mon son est un peu fort là. On va baisser ça tout de suite. Si j'arrive à bouger la souris. Oui, c'est un peu fort. Ah, on va mettre là, c'est pas très important le son là. Voilà, on s'en fout si on n'entend plus rien, c'est pas très important. Là. Comme ceci. On met de la redstone comme ceci. Normalement, c'est juste en dessous pour les fils. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Désolée si vous entendez beaucoup les clics, hein, mais comme j'appuie comme une grosse mongole sur ma souris là. On s'en fout, voilà, on rebouche comme ça. Hop. On met de la redstone comme de l'autre côté. Voilà, donc normalement là, si je casse ici. Oui, je peux rentrer par la chevette. On peut voir. Non, on peut pas voir. Alors, faut que je recasse encore. Ah non, c'est... je casse les mauvais endroits, c'est pas très grave. Si je casse là... on regarde. Voilà, ça s'active. Donc c'est bon. Bon, on s'en fout de la déco, hein. Voilà, j'y arrive pas, c'est comme ça. Hop. Donc, on va casser là pour mieux y voir. Pour y voir plus clair, tout simplement. Hein. Pour mieux y voir, c'est pas très français. Hop. On casse les deux d'ici, voilà. On va y mettre de la redstone. Comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. On casse là. Donc si je casse devant, c'est juste pour mieux y voir. Hein. Hop, 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 hop. Et on met. Après, il faut mettre la porte. De manière... est-ce qu'elle soit comme ça? Alors attendez. Nickel. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc faut bien mettre la porte comme je l'ai mise, hein, c'est très important. Donc vous mettez comme ça, vous cliquez et la porte se met. Et donc là, voilà, c'est terminé. On n'a plus qu'à reboucher. Donc je le fais quand même. Mon pauvre petit doigt. Hop. Voilà, il y a le téléphone qui sonne, c'est génial, on s'en fout, vous entendez le téléphone sonner, je ne sais pas. Si vous l'entendez, tant pis, si vous l'entendez pas, tant pis. Merde. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, donc, système très simple, voilà, le système est terminé. Vous entrez, et en fait, vous ne pouvez pas sauter. Donc les deux personnes rentrent en même temps, et donc tout est fermé, personne ne peut rentrer. Et dès que les deux personnes ont fini d'échanger leurs affaires, elles ont juste à se rapprocher de la porte, et ça s'ouvre. Voilà, donc c'était un petit tuto rapide, hein, mais voilà, histoire qu'il n'y ait pas plus de vidéos sur ma chaîne à cause de mon doigt, donc voilà.
Donc j'espère que ce petit tuto basique simple pourra vous aider pour vos serveurs. Et puis n'hésitez pas à rejoindre ma page Twitter, ma page Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un like, un commentaire. Et je vous aime, bisous bisous.